السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم صفحة 10 من كتاب المتعلم والمتعلمة pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire، دائما في إطار التقويم التشخيصي l'évaluation diagnostique. شحال من واحد فيكم غادي يشوف باقيين كنديروا ليفاليوسيون دياغنوستيك، ولكن انا قررت انني نبدا الكتاب من الاول باش ان شاء الله في السنوات المقبله التلاميذ يلقاو الكتاب مشروح من الاول الى الاخير. قناتكم تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. اذا في هاد الصفحه عندنا تقويمات تشخيصيه ديال لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ، يعني لي زيكزيرسيس التمارين المتعلقه بالدرس اللغوي. دونك اون فا كومونسي باغ لاكتيفيتي دو لا غرامير et puis la conjugaison, et puis l'orthographe, et on va finir par l'activité de la production de l'écrit. D'accord? Grammaire. La première question, dans le texte de lecture, Ibn Battuta, prince des voyageurs, je relève. Mais le texte d'Yel Ibn Battuta, prince des voyageurs, le texte d'Yel la lecture, a dit Jibed, le nom masculin, le nom féminin. D'accord? Le nom masculin et le nom féminin. A dit Jibed, le texte. Suivez avec moi. Donc, je m'appelle Mohamed Ibn Battuta, je suis né à Tanger le 24 mai. Je suis de taille moyenne, de taille. Taille, c'est un nom féminin, d'accord? J'ai le teint clair, les yeux noirs, un nez légèrement busqué et un large front. Grâce à Dieu, ma santé ne me pose pas de problème. Ma famille et mes amis disent que j'ai un beau caractère. J'ai visité en long, en large le monde. Le monde. Le monde, c'est un nom masculin. D'accord. Ok, il y a d'autres. D'accord. Un nom masculin, donc le monde. Le monde. Et un nom féminin, c'est la taille. D'accord. C'est la taille. D'accord. Question 2, transforme en phrase négative. Donc, la phrase est à dire, transformer, elle est à dire, la phrase négative. La phrase négative, nous, quand qui confie. Donc, la phrase négative, yani quand confie, la marque de négation. Ne pas, ou bien ne jamais, ou bien ne plus. D'accord? Ce sont les marques d'une phrase négative. D'accord? Ici, j'aime les voyages, c'est une phrase affirmative. À dire, j'ai allé. Phrase négative, va dire j'aime, donc comme ça, je, va dire zid, ne pas. Là, je dirais apostrophe parce que ici, aimer, le verbe aimer, aime, il a dit ne, avec a, naya, adna, deux voyelles, d'accord, aucun n'haïdo, l'équivalent, aucun dire apostrophe, n'aime pas, pas. Les voyages, d'accord. D'abord, où l'atelier, c'est une phrase négative, d'accord. C'est une phrase négative. La troisième question, je retrouve la question. Donc, regardez la réponse. Je m'appelle Mohamed Ibn Battuta. Ismi Mohamed Ibn Battuta. Donc, je n'ai pas la question. Les radicaux, j'ai oublié. Je m'appelle Mohamed Ibn Battuta. La question, c'est comment tu t'appelles ou bien comment appelles-tu? Comment appelles-tu? Comment appelles-tu? Je ne me souviens pas. D'accord? Je m'appelle Mohamed Ibn Battuta. Question 4. J'encadre le groupe nominal sujet dans la phrase suivante. Had la phrase à dire, à dire, واحد cadre, elle a le groupe nominal sujet, c'est-à-dire, elle a le fait. D'accord? Regardez la phrase. Je vais vous lire. Ce grand voyageur a visité beaucoup de pays. Ce grand voyageur a fait quoi? A visité beaucoup de pays. Qui a visité beaucoup de pays? C'est ce grand voyageur. Donc, le grand voyageur, c'est groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet, c'est grand, ce grand voyageur. GNS, groupe nominal sujet. Et le groupe verbal, Wahada, a visité beaucoup de pays. C'est groupe verbal. D'accord? Mais je m'en ai fait lire. Question 5. J'écris au singulier. Donc, had la phrase m'ktouba fil pluriel. Radin ktouba fil singulier. Les yeux, yani l'aynin. Aynin na wahda, y'a l'œil. Vous savez? L'œil. Que t'ktoub? L'œil. L'œil. Au noir, hnaya pluriel. Pluriel masculin. Raybqa masculin.
وغنحيدوا له لا مارك دو بلوريال اس داكوغ ما نزيدولوش او حيت الا زدنا لو او غادي يكون فيمينين دونك لوي نوار اون باس ا لاكتيفيتي دو لا كونجوغيزون Toujours dans la page 10, la conjugaison. La première question, je conjugue au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. Had les verbes lesquels entre parenthèses, radin sarfom le présent de l'indicatif. Donc, nous, le verbe finir. Suivez avec moi. Nous, le verbe finir. A. Le verbe finir. Donc, nous. Finir. Le verbe finir. Aouel haja. Kenhaidouad r. De l'infinitif. Fini. Et je vais ajouter les terminaisons. Les terminaisons du présent avec les verbes du deuxième groupe, j'ajoute deux S, ONS. D'accord? Finissant. Je vais écrire fini et je vais ajouter deux S, ONS. D'accord? Deux S, ONS. Donc, nous finissons notre travail. La phrase B, regardez, vous, le verbe dire, la vérité. Le verbe dire, c'est un verbe du troisième groupe. Hada, c'est un verbe du deuxième groupe. Il va finir. Donc, dit. Raditouli. Dites. Dites. Je suis ok, chatouli. Dites. Comme ça. Vous dites la vérité. Vous dites la vérité. Je dis. S. Tu dis. S. Il dit. T. Nous disons. Vous dites. Ils disent. Elles disent. D'accord? La deuxième question. J'écris les verbes entre parenthèses au temps demandé. Had. Les verbes les kinin entre parenthèses, radin dirhom, fil zemen, le mukhtarah min andhomhom. La phrase A, tu, le verbe avoir, le teinte clair, le présent de l'indicatif. Le verbe avoir, radin sarfouf, le présent de l'indicatif. Donc, tu, le verbe avoir, tu y as, tout simplement. Tu y as le teinte clair. D'accord? Nta andek, bachara, liya wadiha, ou mushrika. La phrase B, ses parents, le verbe habiter, à Tanger. Toujours le présent de l'indicatif. Donc, habiter, c'est un verbe du premier groupe. Tout simplement, je supprime ER. ER, habite. Comme ça. Et j'ajoute les terminaisons. Ses parents, c'est il du pluriel. Donc, j'ajoute EN, ENT, tout simplement. Et la phrase devient comme ça. Ses parents habitent à Tanger. Ses parents habitent à Tanger. Nous, le verbe visiter ce pays. Le futur simple. Nous, le verbe visiter ce pays. Futur simple, donc. Je ne supprime rien ici. L'adjectif visiter, comme la erdielha, et je vais ajouter ons. D'accord? Donc, regardez tous les visiteront. Nous visiterons ce pays. La phrase de Ibn Battuta visiter plusieurs pays. Passé composé. D'abord, adin sarfo le verbe visiter. Le passé composé. Le verbe visiter, le passé composé. Le passé composé se compose de deux choses. Passé composé. Composé, c'est l'auxiliaire avoir ou être plus participe passé. D'accord? Participe passé. Maintenant, le verbe visiter. Verbe visiter, c'est un verbe du premier groupe. Donc, c'est un verbe du premier groupe conjugué avec avoir. Donc, j'ai visité. Comme ça. Terminé par E, accent. Tu y as visité. Il et elle a visité. Nous avons visité. Vous avez visité. Ils du pluriel et elles du pluriel, elles ont visité. D'accord. Quelqu'un s'en faut le verbe visiter au passé composé. Donc, il y en a ici Ibn Battuta c'est il. Donc, il a visité. D'accord? Il a visité. Donc, il a visité comme ça. Il a visité plusieurs pays. Maintenant, l'activité de l'orthographe. Je complète avec l'un des deux mots. غادي نكملو بواحدة من ديك الجوج ديال الكلمات ميزون اوتر بارونتيز اللي موجودين في القوسين ما بين القوسين مون فرير ا فواياجي ا روم مون فرير ا فواياجي ا روم اي سي لو فيرب فواياجي مصرف لو كبر كبيرة اي سي لو فيرب فواياجي مصرف في الباسي كومبوزي مون فرير ا فواياجي دونك شنو غادي نديرو غادي نديرو تو سامبلومون ا سان اكسون داكوغ سان اكسون علاش باش تكون لي Le passé composé, à Rome, c'est à accent
Il indique le lieu, d'accord, le lieu. Son cheval est jeune et rapide. Nafs chenay. Donc naya, adinkounou le verbe être. Son cheval est jeune et rapide. Jeune, cheb ou sérieux. D'accord? Donc son cheval est jeune et rapide. C'est bien. Question 2. Je mets le sujet au pluriel et je réécris la phrase. Donc, la phrase, adresse pluriel. Adresse le sujet. Le sujet, c'est je. Je n'ai tout lili. Ratou lili, nous. J'aime les voyages. C'est-à-dire nous. D'abord, il a compte ana, uhibbu. Nahnu, c'est nous. Donc, nous. Que je réouli le verbe? Aime. Le verbe aimer. Nous aimons. D'accord? Nous aimons. Nous aimons quoi? Les voyages. Tout simplement. D'accord? Donc, hadi le ma'na dial ha, yani la b'dilti le sujet au pluriel, hta le verbe, c'est que ça refouf le pluriel. D'accord? La production de l'écrit maintenant. Production de l'écrit sur Ibn Battuta. Regardez. Remplis, ou bien je remplis cette fiche de renseignements sur Ibn Battuta. Hadi n'ammar, had la fiche dial le ma'loumat, le khassab Ibn Battuta. L'ism dialo, le nom, nasab dialo, le prénom ou l'ism. Date de naissance, yani foukash z. Lieu de naissance, fin z. Nationalité, yani wesh maghrébi ou la français, il a rien. Donc, le nom c'est Ibn Battuta. Le prénom c'est Mohamed. La date de naissance, c'est-à-dire 24 janvier 1304. Pour le lieu de naissance, c'est à Tanger. Nationalité, c'est marocaine. Yani, jinsia maghribia, marocaine. D'accord? وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.